Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est samedi 17 juillet. C'est ma fête. Du coup, aujourd'hui, alors je vous retrouve, il est que 18h. Je vous retrouve en fin de journée parce qu'aujourd'hui, on a profité pour faire un peu de shopping avec ma mère, passer un peu de temps en famille. Et ce soir, on va faire ma fête. Donc là, on va un peu profiter. Je vous ai mis normalement quelques petites images juste avant pour vous montrer, mais ça faisait trop plaisir. Il faisait super beau. Parce que là, ça fait des semaines qu'il pleut, on n'en peut plus. Et là, voilà, il faisait grand soleil, il a fait super chaud, donc trop plaisir. Et je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Donc en premier, on a été chez Claudie Pierlot, et en fait c'est trop marrant parce qu'il y a quelques semaines j'étais allée au Bon Marché et j'avais vu une robe chez Claudie Pierlot qui était en vitrine, enfin qui était, oui, il l'avait mis en avant et j'avais flashé dessus, je la trouvais trop belle. Puis après je l'ai oubliée et en fait on est retombé dessus dans la boutique de Claudie Pierlot et forcément on a craqué dessus, elle est vraiment trop belle. Donc, en plus elle était en solde donc ça fait toujours plaisir et pour l'été elle est juste, mais franchement je suis hyper confortable dedans. Donc elle est comme ça avec des petites bretelles, on peut la mettre sans soutien-gorge, donc ça c'est vraiment un gros plus. Voilà, comme ça, et elle est assez longue, et vraiment, mais la matière, on est hyper confortable dedans. J'aime beaucoup la couleur, qui est une couleur chaude, et je trouve que comme je suis assez blanche de peau, du coup ça réchauffe un petit peu le teint. Elle est hyper confortable, elle est élastique en plus, donc ça clairement ça va être un must-have de l'été. Et ensuite, on a été chez Jonac où on a pris deux paires de chaussures. Donc en premier, j'ai pris une paire de sandales comme ça. Alors je pense que je vous les montrerai portées peut-être dans une autre vidéo ou quand j'irai en type. Forcément, je vais faire des vlogs. Donc je pense que là, je les porterai et je pourrai vous montrer. Voilà, elles sont comme ça. Elles sont hyper confortables. Et typiquement avec la robe Claudie Pierlot, je pense qu'elles pourraient vraiment très très bien aller. Voilà, des petites sandales comme ça, donc hyper confortables. Et j'ai pris une deuxième paire qui est plus pour peut-être se balader en ville ou même aller travailler. Et c'est des paires comme ça. En fait c'est marrant parce qu'il y a quelques années j'avais pris pratiquement le même modèle. En fait c'était exactement pareil devant et c'était fermé ici, il n'y avait pas la petite bride. Et j'avais été, enfin franchement j'étais hyper confortable dedans et je trouve qu'avec le confinement... Enfin, en tout cas mon pied s'est un peu déshabitué de porter des chaussures et du coup maintenant dès que je remets des chaussures j'ai assez j'ai très vite mal au pied et celle-ci je sais que j'étais hyper confortable dedans donc voilà, j'espère que ça sera pareil pour celle-ci. Et ce qui est pas mal c'est que elles se détendent assez vite donc il faut pas prendre une taille trop grande. Je les ai prises en 38 et je sais que comme il y a la petite bride là du coup ça va me tenir le pied et ça, voilà, si jamais elles se détendent au moins j'aurai la petite bride pour me tenir le pied donc ça c'est pas mal du tout. Je suis trop contente qu'il y a quelques jours, je me suis acheté des Superga que je viens à l'instant de recevoir. Donc j'ouvre en même temps que vous. Je suis trop contente. Ça, pour l'été, je suis trop contente. Par exemple, avec des petites robes, quand on va un tout petit peu marcher, parce que bon, clairement, c'est pas non plus des baskets de marche, mais quand on va marcher ou ce genre de choses, enfin franchement, je suis trop contente. Elles sont trop belles. Ça fait longtemps que je les voulais. Là, j'ai enfin craqué. Elles étaient en solde en plus, donc voilà.
Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et là j'étais au musée de l'Orangerie pour voir l'exposition Renoir Magritte. Donc c'était vraiment super bien, je viens juste d'en sortir, il n'y avait pas trop de monde, j'y suis allée super tôt. Mais franchement bah, je vous l'aurais recommandé, mais c'était le dernier week-end. Et là du coup je vais me balader un petit peu au jardin des Tuileries et après je vais rentrer. Mais c'est un petit peu le bazar parce qu'il y a le Tour de France qui arrive. Donc je vais marcher tranquillement, mais je vais pas rentrer trop tard non plus parce que sinon je pense que ça va être un peu le bazar.